Mais la documentation en général, c'est pas la chose qui attire les foules. Là. Fait que. Ben, bienvenue à une présentation sur documentation persistante pour un projet de Drupal. Je m'appelle Mathieu Gadra, je travaille chez Symétrice depuis 8 ans. Symétrice, on est une petite shop de développement Drupal ici à Montréal. On est tous des développeurs qu'on essaie d'être certifiés à accueillir dans la première année. Puis on centre vraiment nos efforts sur être un partenaire numérique pour les entreprises sur lesquelles on travaille, donc des relations long terme, puis tout en bonifiant là, leur plateforme. Moi, je m'appelle Mathieu, c'est ça, je suis développeur web, je fais de l'analyse, je fais toutes sortes de choses, je porte plein de chapeaux. Et pourquoi je m'intéresse à la documentation, c'est que comme justement, on est des partenaires long terme avec nos clients, on veut être capable de builder année après année de la documentation qui va persister à travers la vie d'un projet de Drupal. Exact. Puis en fait, je vais pas nécessairement parler de documentation à même le code, un petit peu, mais pas énormément. Je vais beaucoup parler de documentation fonctionnelle. Donc dans cette présentation, on va regarder comme pourquoi c'est important de parler de documentation, qu'est-ce qui marche pas avec la documentation. Comment se préparer à faire de la documentation, puis c'est quoi le processus qui entoure la doc, et quoi, ben, on va parler vraiment de la documentation elle-même dans un troisième temps. Ce qu'il n'y aura pas dans la présentation, c'est pas un guide de rédaction que je fais aujourd'hui, là, je vous explique pas comment écrire telle quelle la doc. Je ne ferai pas la promotion d'un outil de documentation, il y en a comme des dizaines et des dizaines. L'important, c'est d'en choisir un. Puis j'ai une slide sur comment choisir un. Et il n'y a pas de gif amusant, c'est surtout par manque de temps. J'aurais aimé ça mettre plein de gifs dans ma présentation, mais j'avais pas le temps de faire ça. Super. Commençons. Pourquoi la doc? La chose la plus importante qu'on va faire en utilisant la documentation, c'est de communiquer. Puis il y a deux volets pour lesquels on va communiquer. Le premier, c'est on veut s'assurer de construire la bonne chose. Fait quand on développe soit un nouveau site, une nouvelle fonctionnalité, etc., etc., on veut s'assurer que ce qu'on va construire, c'est la bonne affaire, c'est la bonne chose. Puis la deuxième chose, c'est qu'on veut faciliter l'entretien de qu'est-ce qu'on a construit. Fait que faciliter l'entretien d'un site web ou d'un parc de sites, etc. C'est quoi le problème avec la documentation? Est-ce que vous avez des grudges avec la documentation des sites? C'est quoi un grudge? Ben, qu'est-ce qui vous embête avec la documentation? Qu'est-ce qui vous dérange? Ben moi, je trouve ça long et endormant à faire. Ouais. Je suis pas là-dedans, mais... Je comprends. Souvent, c'est plate à faire. Souvent, c'est pas à jour. On peut se poser la question, qu'est-ce qui fait partie de la documentation, ça fait-tu partie des specs ou pas, c'est la job à qui de faire ça, de le mettre à jour, c'est quoi le niveau de détail qu'on veut faire, t'sais, on en écrit puis là il n'y a personne qui la lit après, ça c'est la pire chose, de projet en projet, si on va trouver des choses différentes. Ouais, c'est ça, c'est ça. Le premier lecteur, 3 mois après, mais je suis plus sur le projet. Oui, c'est ça. Puis là, t'as pas l'impression de l'utiliser puis tout ça. Ouais. Des fois, il y a différents documents qui se contredisent. En fait, des fois, elles contiennent aussi des éléments qui sont out of scope, fait que des choses qui vont être dans leur documentation, mais qui sont pas, que si on les fait, on va dépasser le budget du projet, fait qu'on ne peut pas nécessairement les faire, etc. Un petit spoiler, on ne fera pas de miracle. Does that look clean to you? Nothing is clean, Howard, but we do our best. Fait que l'idée, c'est que il n'y en a pas de recette miracle pour la documentation. Tout ce dont je vais vous parler dans cette présentation-là, c'est des trucs que même pris un à un peuvent améliorer votre situation au niveau de la documentation sur des projets. Et honnêtement aussi, tous les trucs que je vais donner, je n'ai jamais travaillé sur un projet où tous ces trucs-là étaient appliqués de manière consistante, on va dire. Donc, pour mitiger les attentes un petit peu, là, on va juste essayer de... juste s'améliorer un petit peu sur ce qu'on fait déjà. Super. Fait, comment on fait ça? Comment est-ce qu'on s'arrange pour produire la documentation qui va rester persistante?
La première chose à faire, c'est d'évaluer l'effort que ça va prendre pour faire la documentation. Fait que quand on scope un projet au début, on part dans un nouveau projet, on estime le développement, on va estimer des fois l'entrée de contenu, on va estimer la gestion de la qualité. C'est important d'avoir aussi un estimé sur l'effort de documentation à produire. Donc, estimer le temps qu'on va passer à produire la documentation. Fait que là, c'est important de, à ce moment-là d'avoir une petite idée de c'est quoi les types de documents qu'on va vouloir produire, etc. Donc, documentation fonctionnelle, documentation technique, manuel d'utilisateur, manuel d'installation si c'est un produit qui va être installé quelque part. Est-ce qu'il va y avoir des maquettes, des wireframes, des workflows, des diagrammes de ainsi, des plans de test, des plans de gestion de risque. Puis, il y a deux, grosso modo, deux manières d'estimer ça. La première, c'est à la pièce, on fait un inventaire de qu'est-ce qu'on veut produire comme documentation, puis on met des heures à côté. Ça peut être aussi un pourcentage global du projet. Plus le projet va être gros, plus il va être techniquement challenging, puis il va demander de la documentation à faire, à ce moment-là, d'avoir un pourcentage global du projet alloué seulement à la documentation. C'est quand même une bonne idée. Ça, c'est le premier truc, là, c'est de prendre ça en compte quand on scope un projet, quand on attribue des heures à un projet. C'est intéressant de considérer les outils qu'il y a dans Drupal pour nous aider à faire la documentation. Fait que si on fait un projet de Drupal, ben, on peut simplifier les manuels d'utilisation si la description des champs qu'on configure est claire, si les titres des champs sont clairs. Ça peut être utile de construire des contenus exemples pour les clients donc qui peuvent servir de référence. Les développeurs, dans le fond, d'utiliser comme il faut les fichiers info.yaml pour expliquer le rôle des modules, leurs dépendances, etc. Un fichier info d'un module peut vraiment aider quelqu'un qui va venir faire de la maintenance plus tard sur un module. Ne serait-ce qu'à comprendre, la nature du module, mais les dépendances, c'est aussi quelque chose de super intéressant parce que s'il y a plusieurs modules custom qui vont pour faire respecter des règles d'affaires complexes sur un site web, puis qu'ils ont des dépendances entre eux, ça donne des hints aux développeurs pour à quoi faire attention quand ils vont porter une modification à un module. Je ne sais pas si vous avez entendu parler du Tor API dans Drupal 8. Oui, c'est ça. Fait que dans Drupal 8, il y a le Tor API. Le lien que j'ai mis, c'est un lien vers la documentation technique, fait que je cliquerai dessus. Le Tor API, dans le fond, dans Drupal 8, ça permet de faire un joyride. Fait que la fonctionnalité, c'est, vous savez, quand vous loguez sur un site, puis là, il y a des petites bulles d'information qui dit ah, t'sais, cliquez ici pour débuter, cliquez ici ensuite, puis ça apparaît, puis ça fait une espèce de tour, dans le fond, à l'utilisateur. Ça peut être une manière aussi de documenter, si on veut, la partie plus manuelle d'utilisation de l'application qu'on est en train de faire. On a tour et puis là, j'ai une question. Ouais. Sais-tu si c'est possible de gérer le type d'usager, parce que tu parles de tour sur le type d'usager? Je le connais pas par cœur sur le détail, mais je suis pas mal confiant que oui. Je pense qu'il n'y a pas de problème. Des fois, il y a vraiment des types d'usager différents. C'est mm-hmm. pas normal pour tout le monde. Absolument. Absolument. Donc, on a estimé, on a considéré un petit peu les outils qu'on allait utiliser. Maintenant, il faut la planifier, la rédaction de la doc. Fait que maintenant qu'on a des chiffres, c'est important de la mettre à l'horaire. Fait que quand vous faites vos timelines de production, insérez les périodes de rédaction dedans. Puis c'est vraiment important de ne pas comme planifier toutes les heures de rédaction de documentation au début d'un projet. Soit on a tendance à comme faire toute la doc technique au début, mais en réalité, ce qui est intéressant, c'est vraiment d'y aller en itération. C'est ça, fait que de bonifier la documentation à chaque nouvelle utilisation. Si vous utilisez une méthode de gestion de projet comme Scrum ou un analogue agile, vous travaillez probablement en itération de quelques semaines. D'avoir des périodes de rédaction au début de chaque itération peut aider à faire évoluer la documentation. Ensuite, créer une vitrine de projet. C'est important que vous ayez un one-pager, que quand on démarre quelqu'un de nouveau sur le projet, qui est un lien avec des explications sur où est-ce qu'on va trouver la documentation, comment utiliser la documentation, à qui poser des questions si c'est pas clair. Puis il peut y avoir plein d'autres choses dedans, mais d'avoir un portrait de où trouver quoi, au lieu qu'on se pose tout le temps entre nous des questions, hein, où est-ce que je trouve les maquettes, où est-ce que je trouve les wireframes, etc., etc. D'avoir vraiment une espèce de one-pager qui décrit aux gens
puis onboard dans le projet, où est-ce qu'ils vont trouver ce qu'ils ont besoin de trouver. Ça peut inclure aussi des accès à des comptes de third parties, par exemple, ou des choses comme ça. Si on pense à InVision, qui est souvent utilisé pour partager la documentation graphique. C'est important de décider qui rédige. Fait que chacun a son corps de métier là, dans l'équipe. Lors de la planification, c'est important d'être clair sur les livrables puis les responsables de ces livrables-là. J'aurais tendance à dire éviter de faire rédiger de la documentation fonctionnelle par la personne qui va fabriquer le truc. Donc d'éviter que ça soit le dev qui rédige une documentation fonctionnelle avant de commencer à développer. C'est plus un petit peu comme par expérience qu'on a réalisé chez Symetris que si c'est la personne qui le fait, qui écrit la doc fonctionnelle, il a tendance à soit bâcler parce qu'il va aller dans le code plus tôt que tard. Ou soit insérer des biais, des bias, des biais dans sa tête, il va le fabriquer comme ça, donc il va insérer il va changer la fonctionnalité ou il va pas nécessairement il va pas nécessairement la documenter comme le client l'imagine dans sa tête, mais il va le documenter comme lui, il va le fabriquer. C'est juste un petit truc là. Idéalement, si vous avez un analyste sur le projet, que c'est son travail de rencontrer les clients, de drafter les fonctions, la documentation, puis tout ça, c'est sûr que ça, c'est l'idéal, comme je dis, un petit peu, chacun son corps de métier. Dans l'absolu, c'est mieux que ce ne soit pas les devs qui Ouais, c'est ça. Donc, idéalement, je pense que ça ne devrait pas être les devs qui font la documentation fonctionnelle. Documentation technique, je n'ai pas de problème avec ça, mais vraiment comme décrire les fonctionnalités en mots, écrire des user stories, ça ne veut pas dire qu'ils ne peuvent pas participer au brainstorm puis à l'élaboration de la chose, mais je ne ferai pas rédiger ou le moins possible la documentation par les développeurs. De faire par qui? Par un analyste. Fait que soit quelqu'un avec une formation de business analyst, moi par exemple, fait que soit quelqu'un avec une formation de business analyst ou c'est un analyste fonctionnel c'est une pratique qui se voit beaucoup dans le monde du logiciel puis moins dans le monde du web, d'avoir un analyste que c'est sa job de rédiger des fonctionnalités. Fait que dans le monde du logiciel, ça se voit beaucoup. Dans le web, ça se voit pas tant que ça, mais les applications web qu'on fabrique sont de plus en plus complexes puis demandent de plus en plus de réflexion puis de planification au niveau des workflows, au niveau des parcours des usagers, etc. Fait que d'avoir quelqu'un que c'est ça sa job de le faire, c'est ça. Ça vaut la peine, je pense. Ça nous est arrivé de faire écrire la documentation fonctionnelle par un autre développeur qui n'est pas sur le projet partout. Fait que ça aussi, ça peut être une manière de séparer les charges de travail puis de pas inclure ces billets-là. Non. Surtout si c'est une amélioration à un produit déjà existant. Présenter la documentation. Fait que ça, c'est s'il y a une chose dans le fond qu'améliorer dans le fond chez nous la qualité de la documentation puis l'utilisation de la documentation générale, c'est qu'on a commencé à se présenter la documentation entre nous. Faites pas juste l'envoyer au destinataire, faites pas juste le mettre dans un dossier ou le mettre en ligne. Caller une réunion puis inviter les parties, des gens qui vont avoir utilisé cette documentation là, puis présenter physiquement la documentation. Puis ça va éviter que, mettons, personne ne veuille la lire ou il n'y aura pas l'excuse de ne pas la lire. Sinon, ceux qui vont la lire, des fois, ils ne vont pas le retenir, alors que quand tu le présentes, c'est une manière d'engager la personne à processer l'information, si on veut, à traiter l'information. Si on ne se la présente pas, il y a des questions cruciales qui ne seront pas posées ou qui vont être posées trop tard. À chaque fois qu'on a présenté de la documentation, il y a tout le temps eu des super bons feedbacks, soit de l'équipe de développement, soit des clients, sur la documentation. Puis c'est sûr que c'est tout le temps, plus on fixe une erreur tôt, plus moins ça coûte cher à fixer. Fait que si on la fixe dans la documentation, à la présentation de la documentation, c'est vraiment là que c'est le plus facile que ça se propage pas dans la chaîne de production. Faites rencontrez-vous pour vous présenter la documentation. Ensuite, prévoyez l'évolution de la documentation. Donc, l'idée, c'est qu'on ne veut pas que la doc, une fois qu'elle est rédigée, on ne veut pas qu'elle reste sur une tablette puis qu'elle devienne périmée. Donc, c'est important d'avoir un processus. Oui. Est-ce que
Au bien étape de la révision de la documentation, t'en parles-tu? Qui, tu veux dire qui révise la documentation? Ouais. C'est sûr que la présenter, la documentation, ça permet d'avoir des feedbacks là, mais après, dans le fond... Mais c'était ça, je pensais que ça fait comme une révision, mais... Non, mais après, les gens repartent quand même, ils vont quand même avoir une copie, mais ouais. ça leur permet d'avoir, d'être passés ensemble dessus. Là. Ouais, c'est ça. C'est le genre de peer review, moi. Les gens d'équipe pour réviser à toi. Ouais, c'est ça. Ça peut être ça, ouais, c'est ça. Okay. Prévoyez l'évolution de la doc. Donc, faut avoir un processus pour permettre l'évolution de la doc. Faut que le processus soit simple. Fait qu'il faut pas que j'ai ouvrir un visio, mettons, que j'ai pas la licence sur mon ordinateur pour mettre à jour la documentation. Faut que ça permette à tout le monde de le faire. Fait qu'on veut que tout le monde soit capable d'aller soit corriger les problèmes, soit faire évoluer la documentation. Ou du moins, pas nécessairement que tout le monde puisse le faire, mais que tout le monde puisse enclencher le processus. C'est-à-dire que s'il y a un développeur qui dit ça sera pas possible pour X ou Y raison, il faut que je nomme mon champ de telle manière ou le nommer de telle autre manière. Donc là, il faut aller le fixer dans la documentation. Il faut que le dev soit capable de soit ouvrir un ticket pour fixer la documentation ou même qu'il soit capable de fixer lui-même la documentation. Puis que les parties impliquées soient notifiées si c'est le cas. C'est qui fait la notification? Donc, si on utilise un outil de documentation comme, mettons, Confluence, ou nous, on utilise Redmile en interne, l'analyste qui rédige la documentation, par exemple, il peut se mettre en watcher. Fait, s'il y a un dev qui fait une modification, il va recevoir un courriel pour dire telle personne a changé ça pour ça. OK. Mettons. Et qui c'est qui va aller dire au dev, je t'ai demandé de modifier telle affaire sur le site, puis en même temps, mettre ces deux documents-là à mettre à jour. Ouais. Et où l'information que quand tu touches à ça, il faut que tu mettre à jour ça? Ben dans le fond, c'est une manière de gérer ça. Mais ça, c'est un petit peu, à un moment donné, une culture à travers l'équipe aussi de dire ouais. de pas accepter que les choses ne correspondent pas les unes aux autres. Hein. Fait que si tu fabriques quelque chose qui ne correspond pas à la documentation, ça se peut que tu aies une super bonne raison de le faire, mais il faut que les outils concordent après ça, dans le fond. Prendre l'habitude de se poser la question, y a-t-il de la doc associée au travail? C'est ça. Un exemple, par exemple, récemment, il y a un développeur qui me disait pour faire cette fonctionnalité-là, j'ai besoin de rajouter un champ supplémentaire au content tag, dans Drupal. Ouais. Puis, dans le fond, il le dit dans le channel d'équipe, c'est parce qu'on utilise un outil de chat à travers l'équipe, il le dit dans le channel d'équipe. Puis là, dans le fond, OK, tout le monde est au courant. Puis là, moi qui étais l'analyste sur ce projet-là, je lui ai dit, est-ce que tu aurais le temps d'aller le changer dans le user story ou est-ce que tu veux que je m'en occupe? Puis là, oui, tu sais, je vais le faire. Puis là, il est allé le faire. Tout ça. Fait que c'est de refuser collectivement dans l'équipe que les choses concordent pas les unes aux autres. Mm-hmm. Puis de se le dire, dans le fond. On veut que l'approbation des correctifs se fasse rapidement. Et, mais c'est plus loin que je vais en parler. J'ai des petits trucs par rapport à ça, mais j'ai une slide plus loin pour ça. Désigner un concierge, fait que ça, c'est comme un nouveau concept là, qu'on essaye d'implanter. Chez nous, on n'a pas encore trouvé la stratégie parfaite, là, mais d'avoir une personne dans l'équipe qui s'assure régulièrement, qui se mette une date dans le calendrier, qui regarde vite les outils, est-ce que les processus ont été respectés, est-ce que la documentation est au bon endroit. Est-ce que les meilleures pratiques de l'entreprise qu'on a décidées ensemble, est-ce qu'elles sont suivies ou pas? Est-ce que les individus font le ménage derrière eux? Fait que, tu sais, par exemple, un exemple, si par exemple, on s'est entendu que dans le repository, une fois que les fonctionnalités sont déployées, il faut fermer les branches qui ne sont plus utilisées ou ce genre de choses-là, c'est de s'assurer que le ménage est bien fait en arrière, qu'une équipe soit passée sur un projet. Il pourrait être externe au projet, puis s'il a des connaissances techniques, c'est ça, comme je mentionnais, il peut aussi vérifier que les repositories sont en ordre, que les tags sont là, etc., etc. Fait que juste quelqu'un qui régulièrement met dans son agenda de faire un petit tour en arrière des autres. Oui? Le processus de concierge a besoin d'être documenté, d'un. Oui. Puis de deux, c'est quoi que j'allais dire? Okay. Oui, ça te prend aussi. Faut que tu t'assures que tu aies documentation sur toutes les actions
qui ont été faites. Donc, pour pouvoir vérifier que les processus sont respectés, il faut que tu aies un log des processus qui ont été faits. C'est ça. Bien, encore une fois, si on utilise un outil, même pour traquer des tâches, fait que, si on pense à Jira ou à Redmine, justement, là, à chaque fois que quelqu'un fait une action sur quelque chose, il y a une journalisation qui est faite. Ouais, fait que tu vois, est-ce que par exemple, ces tâches-là sont jamais passées par le statut QA ou ce genre de choses-là. Mm. Fait que, oui, c'est ça. Fait que oui, ça prend une journalisation, effectivement. Quoi? Donc, on va arriver finalement à la documentation elle-même. Fait que quelques petits trucs par rapport aux choses là, vraiment de la documentation. C'est important de choisir le type de documentation qu'on veut faire. Il y en a des tonnes qui touchent différents axes, stratégiques, techniques, fonctionnels, etc. C'est important de s'entendre sur le début du projet, qu'est-ce qui va être utile pour se communiquer à l'intérieur de l'équipe. Ça ne sert à rien, par exemple, de faire des diagrammes de processus pour des processus que soit personne va être utilisé ou des processus qui ont deux étapes ou trois étapes. Fait, vraiment focusser sur des choses qui vont être utiles. C'est important de prendre conscience de la documentation jetable versus de la documentation persistante. Fait, il y a de la documentation qu'on va produire qui vont décrire l'outil, par exemple, et celle-là, on pourrait dire qu'elle est persistante parce que même une fois que le projet est terminé, elle est encore là, est encore utile. La documentation jetable, par exemple, c'est j'ai ouvert un bug, j'ai décrit comment reproduire le bug, puis le bug a été fixé ou ce processus n'existe plus, donc c'est quelque chose qui n'a pas besoin de rester, c'est quelque chose qui est plutôt jetable. On va dire. Essayer de viser le 80-20, donc ce qui a plus de valeur, on fait plus de documentation pour ça. Ce qui a moins de valeur pour le client ou les développeurs, on n'est pas obligé de le documenter exactement. Fait que l'idée aussi, c'est qu'on ne veut pas produire des tonnes et des tonnes et des tonnes de documentation qui seront, encore une fois, pas lues, pas à jour, qui vont, ça va être time consuming à faire. C'est important de considérer qu'un document, c'est un livrable en soi, donc même si c'est pour l'interne. Donc, une manière efficace de dire, OK, ben, pour commencer à programmer cette fonctionnalité-là, il faut que ces deux documents-là soient produits avant. Puis, comme c'est délivrable, on peut les mettre dans un système de gestion de tickets, là, comme justement Jira, puis Redmine, de dire, OK, ben, j'ai besoin de fabriquer une arborescence ou j'ai besoin de fabriquer un wireframe, etc. Fait que vraiment les traiter comme délivrables, qu'il y ait des dates de tombée, etc. Puis surtout, n'oubliez pas les besoins de votre équipe. Par exemple, un dev peut avoir besoin de savoir comment installer un projet sur son ordinateur. Fait que oui, il y a des projets faciles, mais il y en a qui vont demander des infras un petit peu plus complexes. Et à ce moment-là, on veut qu'un dev qui embarque sur le projet, ben, on veut qu'il soit capable de le faire simplement en lisant de la doc. Quelques exemples de types de documentation, fait qu'il y en a plein. Fait qu'arborescence, wireframe, mockup, UIKit, copy deck, maquette. Donc, toutes des choses, sélectionner les choses qui vont vraiment bénéficier le projet là-dedans. User story, c'est le deux fois, ce qui est plutôt amusant. Des plans de test, je considère que ça fait partie de la documentation. Gestion de règles, toutes les issues qui sont créées, donc les to-do, les bugs, les feedbacks, ça fait partie aussi de la documentation parce que si on cherche qu'est-ce qui s'est passé dans le passé sur ce projet-là, ça peut nous donner de l'information. Fait que c'est de les traiter aussi comme la documentation. C'est sûr qu'on parle des persistantes versus jetables. On pourrait plus les considérer comme la documentation jetable. Diagramme de BD, diagramme de classe, mais aussi dans le fond tout ce qu'il y a in-app, donc l'aide, les tooltips, la description des champs, la description des modules, toutes les inscriptions qu'il y a sur le status page dans Drupal. Donc, quand vous allez dans le report status, il y a une grosse page verte ou rouge. Ça dépend où est-ce que vous en êtes, on va dire, dans le projet. Ben, toutes les inscriptions qui sont là, ça fait partie de la documentation. Quand on ouvre un site pour prendre un autre fournisseur, on va voir si le site est dépendant de certaines librairies parce que ça va être écrit. Là. Par exemple, le module vidéo qui requiert FFmpeg d'être installé, par exemple, sur le serveur, ben, ça va être documenté à cet endroit.
Pour les développeurs, c'est possible de rajouter des choses dans cette status page-là. Un développeur pourrait utiliser le hook de Drupal pour aller rajouter de la documentation technique ou de la documentation d'installation dessus. Un exemple de ça, c'est si votre site utilise un API externe pour fetcher des données, par exemple, je sais pas, mettons qu'il se connecte à Salesforce pour afficher les produits de que cette personne-là vend. C'est un exemple comme ça que j'aurais dû mieux étoffer. Mais l'idée, c'est que si ça se connecte à un API externe, vous pouvez le mettre dans le status page qu'il arrive ou pas, qu'il a une réponse de l'API ou pas. Dans le fond, il pourrait retourner, il pourrait pas avoir de réponse de l'API. Par exemple, je sais pas, est-ce qu'il y a un firewall? Est-ce que les credentials sont pas bons pour s'authentifier, etc., etc. Fait que c'est des choses qui peuvent faire partie de la status page, qui permettent de documenter un petit peu comment l'application fonctionne. Pour un dev, c'est intéressant. Ouais. Il installe sa machine, voilà, il regarde. Il regarde le status, qu'est-ce qui me manque, tu sais. Ouais. Ouais, exact. Écrivez de la documentation facile à maintenir. Ça a l'air facile, ça a l'air bête comme ça, mais il y a des manières de le faire. La première chose, c'est « do not repeat yourself ». Fait qu'on veut pas... C'est un petit peu comme dans du code, là. On écrit des fonctions parce qu'on ne veut pas copier-coller des bouts de code partout. La documentation, c'est la même chose. On veut favoriser des liens entre les documents plutôt que d'avoir quelque chose qui existe à plusieurs endroits. Ah oui, c'est ça. Fait qu'on veut favoriser des liens entre les documents. Donc, c'est sûr, évidemment, si vous utilisez un outil qui permet de le faire, c'est encore mieux. Indiquez clairement ce qui n'est pas utile dans un document. Par exemple, ne pas se fier au texte dans cette maquette. On ne veut pas que s'il y a des changements de texte, qu'il faut aller refaire la maquette. On veut juste indiquer, mettre des disclaimers en bas des documents. Ben, je dis en bas, mais un endroit approprié. Là. Ne pas se fier au texte dans cette maquette. Pour la liste des champs, utilisez cet autre document-là, fiez-vous pas à cette maquette-là, etc., etc. Parce que des fois, juste rajouter, si on pense à la page d'administration des contenus de Drupal, c'est un tableau avec des colonnes, le titre du contenu, sa langue, etc., etc. Si on décide de rajouter un élément dans cette colonne-là, mais qu'on a fait une maquette ou un wireframe pour le faire, puis finalement, oups, on en a un autre dans une liste, c'est plus facile de changer un document textuel que d'aller refaire une maquette, que d'aller refaire un wireframe avec un nouvel élément dedans. Donc, mettez des notes, indiquez qu'est-ce qui n'est pas utile, etc., etc. Pour ne pas avoir à maintenir inutilement la documentation. Favorisez tout ce qui est bullet points quand c'est possible. Je parlais de processus tantôt, donc il y a plein de cadres de production de processus. Quand on pense à l'UML, quand on pense à NC, etc., il y a plein de cadres pour faire des belles représentations graphiques de processus. Mais des fois, on est capable d'illustrer le processus juste avec des bullet points. Puis, des bullet points, c'est mille fois plus rapide à maintenir, à corriger, etc., qu'un workflow, un graphique de processus. Fait que quand c'est possible, utilisez des bullet points, allez-y textuellement. Ne mélangez pas la documentation jetable avec la documentation persistante. Puis, quand je parle de mélanger, je veux dire comme les mettre au même endroit. Puis là, l'exemple, là, c'est une description fonctionnelle et une tâche. Si on parle de comment configurer un type de contenu, donc par exemple lister les champs qu'il va y avoir dans un type de contenu, puis qu'on veut assigner ce to-do-là à un développeur. On ne veut pas que la documentation du to-do, ben, la liste des champs par exemple, soit à même le to-do, parce que le développeur, il va le faire, il va le déployer, ça va être validé, blablabla, on va fermer la tâche, puis après ça, pour avoir la liste des champs, il va falloir comme retrouver la tâche. Alors que si on l'avait séparé dans un document fonctionnel, on aurait notre document persistant, qui est notre documentation fonctionnelle, puis la tâche, qui est une documentation jetable, elle, c'est pas grave si elle est fermée. Puis si elle est, et il y a un lien entre les deux. Et il y a un lien entre les deux, exact. Fait que dans la tâche, on mettrait configurer le tel content type, puis le lien, voir la description fonctionnelle. On clique sur le lien, puis là, ça ouvre la description fonctionnelle. Parlons des user stories. Est-ce que vous travaillez avec des user stories? C'est une méthode de documentation qui est très populaire dans tout ce qui est projet agile. Puis c'est bon pour plusieurs choses. C'est bon pour démarrer une conversation avec un client. C'est bon pour comprendre le contexte d'une fonctionnalité, couvrir les besoins.
C'est bon pour parler vraiment du parcours utilisateur et comment est-ce qu'il évolue dans l'application. Pardon. C'est un bon point de départ pour rédiger des plans de test, mais c'est moins bon pour une couple d'autres choses. Fait une des critiques que j'aurais pour les user stories, c'est qu'ils ont tendance à être utilisés pour tout, mais c'est un petit peu moins bon pour dire en dev qu'est-ce qu'il faut construire. Okay? Fait, parce que si on regarde une liste de user stories, c'est pas nécessairement super facile à lire, puis c'est pas super précis sur la chose qu'il faut construire. C'est moins bon pour tout ce qui est requis non fonctionnel. Fait, quand on parle de sécurité, de performance, puis tout ça, c'est difficile d'arriver avec une phrase qui va ressembler à un user story, puis qui va couvrir comme des requis de sécurité. Ça va sonner bizarre, c'est sûr. Les user stories pour les hackers qui arrivent sur ton site. C'est ça. Le hacker, il arrive, il essaie de faire telle affaire, puis il se fait répondre, non, ça ne marche pas. C'est ça, fait que ça sonne bizarre. C'est moins bon pour énumérer des choses. S'il y a une longue liste de choses, c'est difficile à lire dans un user story. Puis si c'est mal écrit, ça sonne vraiment bizarre, un user story. Ça peut être vraiment long, etc. Ouais, c'est ça. Fait que, oui, dans le fond, l'idée, c'est que le user story, c'est juste une phrase. Donc, en tant qu'utilisateur, je veux poser telle action afin de réaliser mes rêves, mettons. Fait que l'idée, c'est quand on fait des user stories, c'est que oui, on fait des cartes avec ça. Puis, moi, je le vois vraiment plus comme un titre. Fait qu'on utilise notre titre. Donc, en tant que rôle, je peux action afin de but. Puis en dessous, je mettrai une description avec tous les détails que ça implique, mes listes, j'ai des énumérations, donc une liste de champs, une liste de requis non fonctionnels. Fait que tout le reste, tous les détails, je les mets en description en dessous de mon user story. Enfin. Puis j'utilise les user stories pour grouper les spécifications entre elles. Donc, ils jouent tous les détails nécessaires pour les devs, garder des titres courts, garder des détails pour la description. Oh. Un user story n'est pas une tâche. Okay? Puis ça, souvent, ce qu'on voit quand on a des démos de Kanban, c'est-à-dire qu'un chargé de projet qui va prendre un user story et qui va l'assigner à quelqu'un puis tout ça, à mon avis, c'est dangereux de voir un user story comme une tâche. Puis c'est peut-être un peu controversé, ce que je vais dire, mais à mon avis, utiliser un user story comme une tâche, c'est exactement mélanger quelque chose qui est persistant avec quelque chose de jetable. Mais ça peut être carré, ça fait super simple. Je vais vous montrer ce que je recommande. Ouais. Donc, un user story, c'est persistant, une tâche, c'est jetable. Parlons de user story 3 sur 2. en tant qu'éditeur, donc, un user story, par exemple, en tant qu'éditeur, je peux rétablir une version antérieure d'un article afin de corriger une modification accidentelle. Fait que ça pourrait être un user story pour la fonctionnalité des révisions dans Drupal, par exemple. La tâche, ça pourrait être activer les révisions sur les articles pour les éditeurs, puis dedans, on met un lien vers la user story. Ce que ça permet de faire, c'est qu'on peut traquer quand est-ce que c'est complété. On peut faire des feedbacks dessus, on peut la closer une fois que c'est terminé, on peut mettre notre temps estimé dedans, on peut traquer le temps passé par un développeur dessus. Puis tout ça, ça reste séparé de notre documentation persistante qui est le requis fonctionnel décrit par le user story ici. Ce qui est le fun, c'est qu'on peut garder le même user story en tant qu'éditeur, je peux rétablir une version antérieure d'un article afin de corriger une modification accidentelle, puis créer une tâche qui est un bug qui est les éditeurs peuvent voir les révisions, mais ils ne peuvent pas les rétablir. Fait que ça, c'est le bug à corriger. My user story reste identique parce qu'elle est la description fonctionnelle de comment le site doit se comporter. C'était ma recommandation pour les user stories. Maintenant, je choisis un outil de documentation. Fait que j'ai parlé un peu de Redmine, un peu de Jira, un peu de Confluence, etc. En gros, on veut que ça joue un rôle de hub, qu'on soit capable d'y grouper tous les documents dedans. Évidemment que si, que la, par exemple, une maquette visuelle, ça fait partie de la documentation, puis on va vouloir l'avoir dans l'outil, dans le hub de documentation, mais elle ne sera pas faite
si on utilise Confluence, on peut dessiner dans Confluence la maquette. Je veux dire, on va y mettre un fichier Photoshop ou une image, ou etc., etc. Donc, c'est plus de se dire, est-ce que l'outil que je vais choisir peut servir de hub? Est-ce qu'il est versionné? Donc, est-ce que je peux voir quand est-ce qu'il y a des modifications à la documentation? Est-ce qu'il y a des statuts de documentation? Donc, est-ce que je peux dire, est-ce que je peux marquer qu'une documentation est outdated ou qu'elle est en rédaction, etc. Est-ce qu'on peut mettre des commentaires sur la documentation? Ça peut être un atout aussi si quelqu'un a des questions à poser ou des précisions à apporter. Est-ce que c'est facile à mettre à jour? Donc, est-ce que je peux cliquer sur un bouton puis modifier le document? Est-ce que ça me permet de séparer ce qui est jetable de ce qui est persistant? Est-ce que ça me permet de faire des liens entre les documents dans l'objectif de post répéter? Est-ce que je peux faire des liens vers des outils externes, Mockup, InVision, SketchCloud, etc., etc. Puis, est-ce que c'est pas Word? Ça, c'est comme pas mal des points que je checkerais si j'avais à choisir un outil de documentation. Comme je disais, nous, on utilise Redmine. Il y a un volet wiki dans Redmine, fait qu'évidemment, dans les wikis, on peut faire des liens entre les pages, c'est versionné, etc., etc. En résumé, si vous voulez rédiger la documentation persistante, la première chose que vous voulez faire, c'est évaluer et planifier l'effort et l'évolution de la documentation. Considérez les outils qui existent déjà dans Drupal. Vous voulez créer une vitrine de paix, vous voulez vous présenter entre vous la documentation. Puis, quant à moi, ça, c'est la chose numéro un, c'est le plus facile à faire. Puis, vous allez voir un énorme gain sur la qualité de la documentation que vous allez produire. Vous voulez favoriser de la documentation facile à maintenir, même si c'est moins beau. Parce qu'un processus écrit en bullet point, c'est pas mal moins beau qu'un graphique dans Visio, mais c'est pas mal plus facile à maintenir. Puis faites des choix éclairés, donc type de document, outil de documentation, etc. Donc ça se résume pas mal à ça. Est-ce que vous avez des questions, commentaires, insultes? Super, bon ben merci beaucoup, puis j'espère que ça va vous donner un coup de main dans vos rédactions. Merci. Oh!